Et salut à tous les amis, c'est Choupi. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 15 de notre let's play sur Dishonored et mon portable vient de sonner alors que je démarre la vidéo depuis 2 secondes. Ça s'appelle La Poisse Ultime. Je vais juste le mettre en silencieux avant de commencer, pardon. Donc, attendez-moi 2 secondes. Hop, muet, voilà. Je suis un petit peu malade, donc si j'éternue, si vous entendez que j'ai la voix un petit peu plus grave que d'habitude, c'est normal. Je n'ai pas mué. Je tousse un tout petit peu aussi. C'est rien de très grave. Mais voilà, je préfère vous prévenir. Il y a ma manette qui déconne un peu. Bref. Donc on est censé sortir d'ici. Alors comment? On va reprendre le même chemin que la dernière fois. C'est-à-dire on va passer dans l'eau. En évitant de se faire bouffer par les poiscailles comme on remonte déjà. Comme ça. Voilà. Il est 34. Ok. Alors, j'espère qu'il n'y a personne. Il y a des affaires là-bas, mais j'ai pas spécialement besoin de ça. Hop, on va descendre par là. Donc voilà, c'est presque la fin. Je pense que... Ça, on s'en fout. Je pense que... Encore peut-être... Jusqu'à l'épisode 20. Et ça devrait être... Ça devrait sentir la fin, je pense. On va faire gaffe à nos petites fesses. On va essayer de repasser exactement au même endroit. Oh les chiettes! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Est-ce qu'il descend les escaliers? Est-ce qu'il descend les escaliers? Non. Alors, est-ce que j'ai moyen de passer à côté de lui? Oui, sûrement pas. Oh la vache. Oh la vache. On a intérêt à faire gaffe. Bon ça va, je me débrouille pas trop mal. Par contre, où est-ce qu'il faut que je passe moi? Est-ce que je peux sauter là? Ouch. Oui, je peux, mais ça fait mal. C'était un peu crétin, mais bon. Là, en principe, j'ai éliminé tout le monde. Alors, est-ce que je vais passer ici aussi? Parce que si je crève ici, ce serait un peu con. Ouais, voilà, j'en étais sûre. Ah, les boules. Ah, c'est le truc bête, ça. Ça, c'est le truc vraiment bête. Bon bah tant pis, on va recommencer, donc ça fait que je peux pas passer par le portail. Où est-ce que je pourrais passer? À moins que j'ai moyen quelque part de... On va attendre un peu, voilà. Que ça se fluidifie un petit peu, voilà. Il y en a un qui m'a vu. Non, c'est bon. Ok, bon, je sais pas par où je vais passer, étant donné que normalement ce portail est la seule issue possible. Il doit y avoir un moyen d'inverser la... le fonctionnement de du portail ou de l'éteindre. Je vais essayer de trouver un moyen. Du coup je récupère tout ça, comme ça n'a pas sauvegardé, ça je m'en fous. Hop, voilà. Alors on va refaire exactement la même. Lui il va me voir, donc on va attendre qu'il passe. On va se mettre dans le buisson. On va se mettre là plutôt. On va attendre qu'il passe. Je ne sais pas où il est, je le vois pas. Il est là. Il va encore avancer un peu. Ce qui est bien, c'est qu'on voit son champ de vision aussi. Donc c'est plutôt cool. Allez, c'est parti. Ouais, mais je voudrais bien que tu avances un peu plus parce que là. Voilà. Voilà. Alors. Tant pis, on va redescendre par là. Je suis en haut, je vais pas redescendre. Je vais me téléporter. J'aurai moins mal. Ah, je peux passer par en dessous peut-être si j'arrive à me téléporter ici. Voilà. Plus assez de. Voilà, super.
Nickel. Là, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je pense que ça va me ramener à l'intérieur du bâtiment. Nickel! C'est parfait. Ok, bon. Dernière ligne droite. Normalement, ça devrait le faire. Pas de mission secondaire. Non, non, c'est bon. C'est le seul truc que j'ai à faire. On doit retrouver Samuel. Est-ce qu'il est en bas, en fait? Est-ce que je peux sauter là? Est-ce que ce serait une bonne idée de sauter? J'en sais rien. Parce que si la porte est fermée, j'aurais un petit peu l'air bête. J'en sais trop rien en fait. Si, il est là. Salut! Voilà. Mince. Ah. Voilà. C'est bon. C'est terminé? Vous êtes prêt à retourner au Han J'espère que vous entendez bien, j'ai l'impression que le son est plus bas que d'habitude. Merci à vous, Corbeau. Bon, allons-y. Chaos général élevé. Ouais, je sais, je suis pas douée en niveau infiltration. Je suis pas assez douée. Faudrait que je refasse le jeu une troisième fois pour essayer de m'améliorer, mais bon. Je pense que, comme je l'avais déjà fait avant, c'est juste que je suis vraiment pas douée, quoi. Pourtant, j'aime vraiment ce côté infiltration. Mais j'y arrive pas. Ces changements, ça m'inquiète pas mal, pour être franc. C'est toujours le menu fretin dans mon genre qui truc. Cette fois, ça peut être différent. Le Lord Régent est hors d'état de nuire et l'abbaye a un nouveau grand superviseur. Notre travail est presque fini. Les autres sont au bar, sans doute en train de trinquer à votre santé. Moi, je vais rester dans le coin si ça vous fait rien. Réfléchir à des trucs tant que j'ai un mot. Félicitations, Corvo. C'est bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir déjà fait ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une boulette de sauvegarde encore? C'est une bonne question. Je regarderai quand même. Il me semble que ouais, j'avais déjà fait ce passage et qu'il y avait un gros souci. Oui, je suis désolée. Combien? 48? Ouais, je crois que j'avais déjà fait ce passage et que j'avais eu un souci de sauvegarde. Donc je sais plus, faudra que je vérifie bien que ça correspond avec votre épisode 14. Adieu, Hiram Burroughs, misérable ordure. Désormais, nous allons pouvoir modifier la loi pour nous blanchir de nos crimes. Nous retrouverons Daud, l'assassin envoyé par le Lord Régent pour tuer l'impératrice. Ensuite, vous pourrez vous venger. Il va falloir nettoyer tout ce foutoir et vite. Les forces armées feront leur travail. Martin a pris le contrôle des superviseurs. Et vous, Trevor... Faites ce que vous avez à faire avec le Parlement. C'est Lord Trevor Pendleton. Merci. Sans moi, vous n'aurez jamais la noblesse. Ils vous mettront en pièces. Désolé, Corvo, ce sont les nerfs. Notre travail est fini, le nôtre commence. Le couronnement sera un peu inattendu, mais il nécessite beaucoup de préparatifs. Nous pouvons en gérer la plupart, mais il reste la sécurité. Emily sera vulnérable face au meurtrier de sa mère. Je doute que l'histoire se répète, mais demain... Nous devrons rester sur nos gardes. Il a raison. Reposez-vous. Mangez. Pillez le matériel de Pierrot. Faites-le plein de munitions. Et soyez prêts au cas où. À Corvo, l'homme qui a permis de changer le cours de l'histoire. À Emily Caldwin. Et à l'aube d'une ère nouvelle pour Dunwall et l'Empire. Ouais. Avez-vous donné à Emily une éducation spirituelle? Ouais, donc je suis désolée, j'ai vraiment l'impression que le son est pas fort. Pourtant, c'est les mêmes réglages que d'habitude. Il y a dû avoir une petite boulette. Au pire du pire, hein, la vidéo est en HD, donc vous pouvez toujours mettre en full HD d'ailleurs. Elle est en full HD, 1080. Donc vous pouvez toujours mettre en HD ou en full HD pour pouvoir lire les sous-titres si vous n'entendez pas bien. Whoop my god! Ah bah c'est ça de picoler, hein. Samuel, on dirait que tu es complètement ivre. Le poison a-t-il fonctionné? Est-il mort? J'espère bien. Il m'a coûté un mois de gage. Oui, monsieur. Corvo a cassé sa pipe. Comme vous me l'aviez demandé. Excellent travail, alors.
N'oublie pas que nous avons besoin du corps. Si nous rapportons le cadavre du meurtrier de l'impératrice, nous serons accueillis en héros. Oui, cela nous apportera la légitimité. Nous serons ceux qui auront sauvé Émilie et neutralisé le Lord Régent et son assassin. Tu t'occupes du corps, Samuel. Oui, amiral. Salaud. C'est des traîtres. Je sais pas pourquoi je risque ma peau pour vous, Corvo. Mais je vous ai donné que la moitié du poison. Ils me regardaient, mais pas d'assez près. Vous y survivrez peut-être. On peut pas leur en vouloir de vous évincer après tous ces gens tués pour servir la cause. Ce sont des crimes d'État. Et puis ils doivent penser qu'ils auront du mal à contrôler Émilie avec vous. Ils sont peut-être pas tort, d'ailleurs. Je vais vous mettre dans un rafio, puis me tirer d'ici avant qu'ils m'étouffent dans mon sommeil. Ce qui devrait pas tarder. Ça me paraît logique. Si vous avez du bol, vous reviendrez à vous et vous pourrez quitter cette fichue ville. Sinon, ma foi, au revoir. Bon bah merci quand même, mec. T'es pourri, mais qu'à moitié, ça va encore. Bon. Du coup, ouais, là, on est un peu dans la merde. On se retrouve dans un quartier de merde. Je pense qu'on va devoir aller chercher Émilie. Il me semble. Ok, je suis dans un vieux bateau tout pourri. Ah, salut. L'homme qui était avec l'impératrice quand on l'a tuée. Empoisonné. C'est du Tivia. Travail d'amateur. Il survivra. C'est d'autres qui décident. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ? On prend l'ascenseur. On arrive quand ? Qui est-ce qui est avec moi ? Est-ce que je pourrais me battre ? Salut ! Toi, je te connais, toi, hein? Je sais bien des choses, protecteur. Je connais ce tatouage sur ta main. C'est un cadeau de ton ami. Celui qui te parle dans l'ombre. Quand tu pries devant ses autels. Je suis passé par là, moi aussi. Et je sais ce qu'on ressent quand on assassine l'impératrice. Mais toi, je ne te connais pas. Ni qui tu es, ni pour qui tu te bats. Tu es un mystère, et je ne peux l'accepter. Mes affaires ! Ça se fait pas. C'est pas très gentil. Ok, on doit être dans ce monde parallèle encore une fois. Je suppose. Voilà. Te voilà enfin. Plongé dans un monde en ruine, capturé par l'homme qui a tué ton impératrice, l'assassin d'Aud. On t'a empoisonné et on a jeté ton corps dans le fleuve. Tes amis voulaient-ils se protéger pour que personne ne sache ce qu'ils ont fait? Ou était-ce parce qu'ils étaient à deux doigts de prendre le contrôle de l'Empire, sachant que tu ne les laisserais pas manipuler, Émilie? Peut-être autre chose. La nature humaine est ainsi faite. Eh oui, vous avez bien raison, monsieur. Ce jeu est extrêmement bien fait dans le sens où ça amène à réfléchir sur pas mal de choses. Je vais m'expliquer un peu plus clairement. Il n'y a pas tellement de méchants et de gentils, en fait. Parce qu'au final, nous, on va aussi commettre énormément de meurtres pour une cause.
Mais voilà, finalement, on est amené à réfléchir en se disant est-ce que cette cause est juste, qui sont vraiment les méchants, parce qu'au final, tout le long du jeu, on se bat pour le pouvoir, pour avoir le pouvoir, donc on tue le Lord et tout, pour au final mettre d'autres pourris au pouvoir. Mais au final, est-ce qu'ils allaient faire mieux que celui qui était avant? Enfin bref, ça pose pas mal de questions. Est-ce qu'on vraiment... ça valait le coup de se battre pour ça? Est-ce que... on est encore... enfin, je sais pas comment expliquer en fait. Au final, est-ce qu'on vaut mieux que ceux qui ont tué des gens pour arriver au pouvoir avant nous, quoi? Parce que, au final, moi, tout le long du jeu, j'ai tué plein de gens. Tout ça pour choper le... pour qu'ils aient le pouvoir, et au final, ben, ça revient au même, quoi. Donc, on va s'échapper. Parce que j'ai pas envie de rester ici. On s'en fout de la lettre, ça m'intéresse pas tant que ça. On va quand même vérifier. Là-dedans, il y a quoi? Oh, vous auriez quelque chose sur vous? Non. Non, vous n'avez rien. Oh merde! Un corps! Deux corps! Ouais, je savais pas qu'il y avait des gardes. En tout cas, ils m'ont bien surprise. Pourquoi il y a tant de... ah voilà. Je me disais aussi... un décor vide comme ça, c'est suspect. Bon bah du coup on va redescendre, on va juste regarder ce qu'il y a là. De la bouffe, génial. Des pièces. De toute façon on en aura plus besoin, à mon avis on reverra pas Pierrot, mais bon. C'est pas très grave, on va... je sais pas trop où il faut aller en fait. Est-ce qu'il faut descendre? Je pense pas, dans mes souvenirs c'est... pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici. À mon avis, il faut remonter. Alors, où est-ce que c'est? Je ne sais pas. Où est-ce que c'est? C'est pas en haut? Il me semblait qu'il y avait une... on vient bien d'ici. Attendez, je réfléchis, hein. C'est pas si évident que ça. C'est pas en haut, plus haut on peut pas. C'est là, voilà. C'est ici. Est-ce qu'on pourrait atterrir en douceur? Voilà. Alors par contre on va faire gaffe parce que je pense que il y a d'autres méchants qui ont un peu les mêmes pouvoirs que nous là, les hommes masqués. Donc on va surveiller nos arrières. C'est bien là-haut qu'il faut aller. Est-ce que je peux monter là? Hop. Oh, pas mal. Pas mal du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, rouvrez la porte, merci. Est-ce que je peux prendre le contrôle d'un des rats? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sais pas si ça valait le coup. Hein. Je sais pas si ça valait le coup. Ok, on n'est pas arrivé, je pense. Je vais quand même surveiller le temps de l'épisode. Là, ça va faire 20 minutes, un peu moins de 20 minutes. Il y a plein de gens qui sont morts, là. On va quand même prendre tout ça. Un flingue, super. Fouiller, hop. Dans l'idéal, il faudrait que je récupère mes affaires, mais... c'est où, en fait? Je pense pas qu'il faut que j'aille là. Faut que j'aille là-bas. Monter sur ce toit.
s'il te plaît. Non, tu peux pas. Bon bah c'est pas grave, on va faire autrement. C'est bizarre. C'est quoi là, la deuxième flèche? Vers votre équipement. J'irai le chercher après, je pense. Remarquez, j'ai pas énormément de trucs. Nécessaire clé. De toute façon, je peux pas y aller. Donc, on va aller chercher l'équipement. Enfin, du moins, on va essayer de s'y avancer un petit peu. Parce que, de toute façon, là, je vais bientôt vous laisser. Comment est-ce que je vais par là-bas? J'en sais rien du tout. On va essayer de avancer un petit peu. Ne me regarde pas. J'espère qu'il m'a pas vu. Bon, ça va, il est un peu con. Allô, est-ce que je peux passer? C'est un peu loin là. Hop là. Parfait. Ouais, mais là je tourne en rond en fait. Clé de la gare. Clé de là. Oui, clé de la gare. Alors attendez. Mon équipement il est là-bas. Bon, ça va être compliqué, je pense. Qu'est-ce que c'est que cette merde? En plus, mon clignot il est pas. What? Alors attendez, je vais lancer une petite bombe, je pense, là-dessus. Ok, super, merci beaucoup. On va se calmer. Waouh, ça va être super chaud. J'ai plus d'énergie, comment je vais faire pour y aller? Ah si, j'ai de l'énergie, c'est juste que j'étais bête. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, pas les zombies dégueux. En plus, ils font des bruits que je déteste. Allez à la raffinerie. Puis après, on se laissera. Je récupère mon équipement, je sauvegarde, et puis on se laissera, puis on continuera dans l'épisode 16. J'espère que juste... Alors attendez, ça charge. Oula. Allez, vas-y. Coco. Allez. Allez. Voilà. Alors, est-ce que c'est encore? Mais c'est là-bas! C'est du foutage de gueule. Bon, écoutez, du coup, on va se laisser là. Je pense que l'épisode est assez long comme ça. Si je m'engage dans d'autres aventures, je pense qu'on s'en sortira pas, qu'on va faire un épisode de 50 minutes. Donc, je... Il est mort, lui? Oui, il est mort. Je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous pour l'épisode 16 la semaine prochaine. Gros bisous. Surtout, portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. C'est important. Voilà, gros bisous, bye bye!